À présent, nous invitons Isaac, Ruth, Kiria et Elie à venir au podium pour la prière, pour laquelle nous invitons honorablement les révérends Lifoko Dissiel et Rachete Lusanga. Le révérend Lifoko va prier pour les enfants, accompagné du révérend Rachete. Et ensuite, le révérend Lifoko va chanter un hommage à Maman Henriette. Demandez aux autres hommes de Dieu si vous pouvez simplement venir un peu ici, juste là, s'il vous plaît, pour que nous puissions prier pour les enfants, s'il vous plaît. On ne voudrait pas que quelqu'un soit mis à l'écart. Sœur Henriette appartenait à tout le monde. C'était une sœur qui appartenait à tout le monde. Si seulement les hommes de Dieu peuvent venir ici. Merci beaucoup. Pasteur, venez. Basali dans Zambé, Soki Boko Kobelema Awa. Tous nous ne pouvons pas monter ici. Na singi na bino banso ite boko akomata boye. Ok. Pasteur, simplement, vous prierez là-bas. Le pasteur Rachete aussi va prier pour les enfants. Et moi, je ferai ce que je sais faire. Donc je vais chanter à la fin. Bino bokobon de la kaka bipai bozwami mukengeli racheté à kobon de la pola bana bina simana yango ngai na kosala o na yebi kosala. Éternel notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, de cet univers que nous voyons et de celui que nous ne voyons pas. Toi, l'auteur de la vie et consommateur de notre foi, nous venons à toi, éternel, ô Dieu, après avoir écouté ce cantique « Brise-moi », nous réalisons, ô Dieu, que nous avons perdu un don. Nous avons réellement besoin d'être brisés, Seigneur, comme la rose, pour que de nous sortent les vertus. Ces vertus qui vont nous aider à vivre la vie chrétienne. Ô Jésus, quand nous pensons à cette parole que nous venons d'écouter, sortant de la bouche de ton saint prophète, où il avait prêché dans une circonstance comme celle-ci, où il avait perdu une sœur qui était une sœur de couleur, une sœur avec une peau comme nous les Africaines, une sœur qui était une artiste musicienne. Oh Dieu, c'est dans la même situation que nous nous retrouvons aujourd'hui. Le prophète avait perdu la sœur Belle et nous avons perdu la sœur Henriette. Oh Jésus, comme elle est partie au Père, nous avons les enfants avec nous. Nous les recommandons entre tes mains, oh Dieu. Toi qui es le parent des orphelins, oh Jésus, nous te recommandons ces enfants. Bénis-les, ô Dieu Tout-Puissant. Sois avec eux, Seigneur. Je joins ma prière à la prière de tes serviteurs qui sont réunis ici. Bénis ces enfants, ô Dieu. Sois le guide de leur vie. Sois, ô Père éternel, celui qui guidera leurs pas. Celui qui sera toujours présent dans leur vie. Pardonnant leurs péchés, ô Dieu. Les guidant et les conduisant dans les voies que leur mère a laissées. Nous réalisons, Père, que la sœur Henriette avait saisi la vision. Elle avait compris, Seigneur, que c'est la voie qui est dans les bandes, qui est la voie qui doit nous conduire aujourd'hui. Laisse que ces enfants
s'attache à cette voix, ô Dieu, car c'est cette voix qui est ta voix pour ce jour. Merci Seigneur. Nous croyons que tu exauces nos prières ce soir et que ces enfants s'accrochent à cette parole. Car en dehors de cette parole, il n'y a rien d'autre, Seigneur. Il n'y a que cette parole dans laquelle il y a la foi pour l'enlèvement. Nous voulons que ces enfants puissent demeurer dans cette parole pour que ce jour-là, quand tu changeras de fréquence, nous serons dans une autre dimension, qu'elles puissent les voir leur maman ensemble avec tous les saints. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Nous laissons le reste, Seigneur, entre tes mains jusqu'à ce que demain ou dans quelques heures, nous irons rendre la terre à la terre et que l'âme de notre sœur se repose dans le sein du Saint Branham. Comme à l'époque, ô Dieu, le Saint s'était reposé dans le sein d'Abraham. Merci, Papa. Nous croyons que tu as exaucé cette prière. Nous te recommandons ces enfants. Sois leur protecteur, sois leur gardien, sois leur conducteur. Et que toutes les flèches de l'ennemi, que ça vienne de jour ou de nuit, trouvent que toi tu es le rempart, toi tu es le bouclier. Gloire, honneur à toi, dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse.